Et salut à tous et bienvenue dans cette ouverture de cartes Pokémon. Et devinez quoi, devinez quoi, devinez quoi. On ouvre le paquet de Mimiki avec sa carte Jumbo. Et devinez quoi, encore mieux, qu'est-ce qu'on a comme booster à l'intérieur? Les ombres ardentes. C'est parti. Est-ce qu'on aura autant de choses que la dernière fois? On va découvrir ça ensemble. Alors Mimiki, c'est un Pokémon qui a été rajouté donc dans Soleil et Lune, qui est en fait un Pokémon qui se cache derrière un déguisement de Pikachu. On ne sait pas exactement qui se cache derrière, mais il y a beaucoup de théories là-dessus. Alors, déjà, on a Ho-Oh, Necrozma. Le gardien, que je ne sais toujours pas son nom, et Marshadow. Marshadow qui a été distribué, il me semble, sur les jeux. Je crois, qui était gardé secret pendant un petit moment. Et au final, il a été distribué. Hop, donc je vais sortir la Jumbo, qui est très belle, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais la montrer, je vais la montrer de plus près. Qui est magnifique. Alors il a Hanté et Étonnement. Sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur. Voilà, un Pokémon fort sympathique, je le dirais. Donc la dernière fois, on avait commencé par Necrozma, il me semble. Donc on va faire pareil. Allons-nous avoir autant de chance? Je ne sais pas. On va découvrir ça tous ensemble. T'as une équipe. Donc on a sac de nœuds. Rhinocorn. Riolu. Bombidou. Enchouette. J'ai jamais remarqué qu'en fait Enchouette. Attendez, je vais le montrer bien. Enchouette, en fait, il est en une espèce de laine, une espèce de peluche. Hop. Rubombelle. Krillia. Alixia. Tadmorve. En reverse. Est-ce qu'elle est en rare? Ça commence mal. Scarino, qu'on a déjà eu la dernière fois. Évidemment. On a commencé mieux que ça quand même. Hop. Alors on reprend avec Feuillage Eau. Stigri. Ah, oh, Pikachu. Qui est une belle illustration. Magnifique. Sonistrel. Alors quoi? Feuilloutant, Scovolide, Guzma, on avait eu Ratatak d'Alola, je me montre de plus près, voilà, et Azumarill en rare, et des trucs, oh, mais qu'est-ce qui se passe? La chance nous a quittés apparemment sur cette ouverture-là, je ne l'explique pas. Explique pas. Hop. Venipat, Hippotrempe, Bombidou, Coxy, Tadmor d'Alola, le Crisacier, Défi, Electek, qui est plutôt une belle illustration aussi. Enchouette en reverse, et Zygarde, pardon, que moi j'appelle affectueusement Zygrade, parce que sous sa forme chien il est dégueulasse. Toujours pas de GX, toujours pas de Full Art, seuls quelques rares.
Ça va pas là, ça va plus hein. Je sais pas ce qui se passe mais ça va pas. Hein. Ouverture pourrie. Hein. Ryoshi. Miaus, normal. Goopix d'Alola. Tukipo. Togedemaru. Flot tout temps. Motis Madex. Kokoyo. Ah oui, c'est la nuit. Hippotrampe. En reverse, c'est. Au massacre en rat. Plus de merde. Et l'énergie ténèbre. De la merde. Voilà. Ce qu'il faudra retenir de cette ouverture, c'est que la carte jumbo est très belle. C'est tout. Merci de votre visionnage. C'est la pire ouverture que j'ai faite. Bon. On a eu que des rares. Reverse. Mais je crois que c'est obligatoire en fait. Donc il n'y a pas. Voilà, c'est dégueulasse. C'était ignoble. C'était l'ouverture ignoble. Merci à vous les studios. Non mais sérieusement, comparé au pack qu'on a fait la dernière fois, je vous montre vite fait. En fait, voilà ce qu'on a. La Scarino qui est pas très belle. On a au massacre qui est pas très belle non plus. Ouais, Zikrad encore ça va. Et Azumarill qui est même pas. Alors là c'est. Pff, ouais, top. C'est. Prends la rare, tiens, et démerde-toi avec. Elle est même pas holo. Hein. Enfin bref, on se quitte sur cette ouverture désastreuse. J'espère que la prochaine sera de meilleure qualité et qu'elle m'apportera un peu plus qu'une jumbo. Parce que là j'ai acheté le pack pour avoir une jumbo. Voilà. Merci à vous. À la prochaine. N'hésitez pas à liker et mettre des pouces. Même si cette ouverture est nulle. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord, là, avec vous, je suis complètement... voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, et on se revoit très bientôt pour peut-être un Elite Pack. Allez, salut les gars.